Salut à toutes et à tous, c'est Tyrone, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur FM20, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on reprend la carrière, la suite de cette saison 3 avec cette fantastique équipe d'Hambourg. Bon, aujourd'hui on va essayer de faire mieux que la dernière fois. Aujourd'hui surtout programme 100% Ligue des Champignons. Et oui, vous allez donc découvrir notre groupe qui en plus d'être composé de Porto, sera composé de Tottenham et de l'Ajax. Wouhou, on va bien s'amuser. Bref, du coup, bah, qu'est-ce qui s'est passé avant? Il n'y a pas eu beaucoup de matchs. On s'était quitté après un premier épisode de cette saison 3 assez compliqué. Ça s'est un peu poursuivi face à Hanovre avec seulement un partout. Beaucoup de difficultés. Heureusement que Bobby Wood avait marqué le premier but. Mais malheureusement, bah, Hanovre est revenu dans la partie. Après, on a eu une belle éclaircie. 3-0 face au Bayer Leverkusen. Fein, Kittel et Mora qui marquent. Ouf, ça fait du bien. Bon, un petit amical. Mais malheureusement, face à Schalke, eh ben, on s'est pris des pieds dans le tapis. Malheureusement. Ou alors, on a trébuché comme des cons. Voilà, bon, malheureusement, heureusement que Jairo a mis un but pour l'honneur. Mais malheureusement, ça n'aide pas beaucoup au championnat. Ça fait qu'on est 10e. Bon. Le Bayern fait un début de championnat quasi similaire, mais ils ont une victoire de plus. Voilà, bref, bon, bah, c'est ce que ça donne pour l'instant avec un Hertha premier. Pourquoi pas. Bref, programme du jour donc. Eh bien, Porto, Tottenham et bien sûr l'Ajax. Donc, eh bien, on va avancer, hein, bien évidemment. Donc, c'est parti, hein, tout de suite. Première journée face à Porto. On accueille Porto à la maison. Donc, heureusement, la compo était faite, il y avait juste... Ah oui, non, eh oui, c'est vrai que Paul Horsbeck s'est blessé. Alors, il s'est blessé, ouais, un petit moment quand même, hein, ce con. Kennedy aussi et Lozaro. Voilà, donc, bah, on est obligé de bricoler un petit peu. Donc, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Quand même, normalement, ça devrait bien se passer face à Porto. Ça, on le saura à l'issue du match. Et bah, écoutez, on est parti, let's go. Allez, hop, on perd pas de temps. Quand tu veux le jeu... bon, allez, avec ce nouveau match engine, hein, maintenant il faut s'y faire. Alors, 4-4-2 pour nos amis portugais. Ouais, attaque Fabio Silva, Dries Mertens. Ah, pourquoi pas. Ah ouais, d'accord, ça rigole pas. Nakajima, connaît pas. Uribe, connaît pas. Danilo Pereira, bien sûr. Ouais, Marega. Ouais, ah oui, Salcedo, Duarte, Vertonghen. Ah oui, jolie équipe, avec Areola dans les bois. Ah, ouais, c'est pas l'équipe de Porto habituelle, ça. Ouais. Bon, 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 c'est notre premier match de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Est-ce que je la joue ambitieux, petit bras, enfin, ambitieux ou alors épicier, je sais pas. Hein. Franchement, je sais pas quoi dire. Je vais mettre bonne chance, prenez du plaisir. Ouais, je sais pas... Pas plus convaincu que ça, véhément, je crois en vous, ça au moins, voilà, ça y motive un peu. Allez, on entre sur la pelouse de notre stade, plein, à peu près normalement, hein, plein pour la Ligue des Champions face à Porto. Alors, bon, bah écoutez, on va faire ce qu'on peut, peut-être que ça va bien se passer, hein. Ah ouais, ah bah, ça va tellement bien se passer que Gian Mera est déjà blessé. Ah, d'accord. Ça commence très bien, et en plus, il y a un petit animal qui fait du bruit. C'est génial, ça commence bien. La vidéo commence très très bien. Ah, et en plus, il veut venir, c'est le chat. Génial, merci. Ah, c'est gentil, les chats. Génial. Bon, bref. Bah, la rencontre, elle est... très chiante. Tiens, j'ai pas remarqué, puisque je t'ai occupé avec... l'ami a 4 pattes. On a 3 blessés. De plus. Sinon, ça va, ça joue pas trop au catch. Peut-être le but. Non, bah non, Jairo, quand même, faut pas rêver. Ça va, ça joue pas trop au catch, là. Il est où le carton rouge, là? Non, parce que tiens, d'ailleurs, la blessure, il se l'est faite toute seule ou pas? D'accord, c'est un tacle. Moi, techniquement, un tacle avec blessé. Normalement, ce minimum jaune. À la limite rouge, bref. Ce n'est que mon avis. Bon, on domine la première mi-temps, mais on marque pas. Bah, c'est normal, on a la moitié d'une équipe.
On a la moitié d'une équipe puisque tout le reste est en train de se faire blesser par ces espèces de bouchers là. Non, il faut le dire, c'est des bouchers. Bon, Cataldi. Ouais, t'es pas. Ouais, bah ouais, bah, on est obligé de le faire sortir. Non, mais n'importe quoi, hein. Allez pas me dire que c'est normal, hein. Désolé. On va pas crier au script, hein, parce que je pense qu'on le fait beaucoup, donc bon. On va rien dire, mais bon, c'est un tantinet pas normal. Bon, une passe inutile pour Areola, merci. Allez, sinon, la suite, c'est quoi? Alors voilà qui a du mal. Elle est 6 secondes là. Allez, c'est pour qui? C'est pour nous. C'est très bien, ça c'est pas mal. Quitte-elle, allez, pourquoi pas. Un bon ballon là, dommage. Allez, pressing, pressing. Allez, 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 allez. On presse. Voilà, très bien ça. Allez, passe à Zic, même blessé. Non, deux fois. Non, bah non, bah non. Fallait pas toucher le ballon. Fallait pas toucher au ballon. Allez, Fane. Pour l'instant, ça tient. Ah, dommage pour cette passe. C'est pas grave. Alenia, pourquoi pas. Carles Alenia, tout seul. Ah non, mais c'est une bande de bouchers. Vous avez la preuve. Ils jouent comme des enfoirés, là. Kittel. Et boum, dans ta gueule. Dans ta gueule. Prends-toi ça dans la tronche, le jeu. Ça t'apprendra de jouer au boucher. Voilà. Le karma, ma petite. Le karma, pof. Kittel, quel coup franc. Merci, Kittel. Voilà. Tu réponds à ces espèces de bouchers, là, qui sont venus nous casser en deux, même pas jouer au foot. Retournez d'où vous venez, là. Punaise, même Benfica, il joue proprement. Allez, là. Incroyable, ça. Dégueulasse. Ah, mais regarde-moi ça, quoi. C'est de la boucherie, quoi. C'est même plus du football. T'as limite, limite, je sais même pas quoi faire. Est-ce que je les sors? Mais l'autre, le deuxième, il est blessé. On va finir à 10. Limite, je vais attendre que le premier des deux qui se blesse a gagné, quoi. Désolé. Enfin, le premier des deux qui est en blessure rouge a gagné, quoi. Malheureusement, ça aggrave la blessure, mais j'ai pas le choix. Et ils sont deux pour un changement. Attention, ça pue. Voilà. Bonjour. Toc, toc. Oui, qui est là? Le script. Salut, ça va? Voilà. J'en ai marre. J'en ai marre. Je le dis, j'en ai marre. Ça ne m'amuse pas du tout, là. Qu'on me sorte pas, c'est mes consignes. C'est pas les consignes qui font ça. Hein. C'est pas les consignes qui blessent mes joueurs tout seuls. Ils font, allez, vas-y, là. C'est pas les consignes qui font que le gardien, il a... Fou. Il a se passé le ballon. Bon, bah, tant pis, on fait sortir Pazalic, allez. Voilà, un match nul totalement discutable. Pour moi, j'ai gagné. Mais bon, malheureusement, pour le jeu, bah, c'est un match nul. Voilà, hop, bah les couilles, vas-y, bouffe. Non, mais bon, voilà, c'est n'importe quoi, voilà. Deux points volés, c'est une douille. Allez, on commence, hein. Donc c'est parti. Gianmera, 3-4 semaines, merci. Ça commence, 3-4 semaines, merci. Suivant, oh, ça va, Fane, c'est que deux jours. Ouf, quelle chance. Oh, ça va, ouf, Katadi, un jour, quelle chance. Quel grand jeu. Franchement, il n'y a rien à redire. Ouais, rien du tout. Bref, bah écoutez, qu'on me sorte pas ces consignes, parce que normalement, le match, je l'ai gagné. Hein, je sais bien que les stats ne gagnent pas, mais quand tu surdomines ton match, sauf si, bien sûr, on bousille tous tes joueurs, normalement, tu le gagnes. C'est sûr qu'avec 4 joueurs blessés, c'est un peu compliqué. Bref, bon. Bah écoutez, nous on se retrouve pour le match face à Tottenham où on va se faire exploser parce que bah, malheureusement les points qu'on aurait dû gagner, bah, on les a pas gagnés. Ça, bah, fallait les gagner, hein. On aurait dû être plus fort que le script, mais malheureusement, ouais, le script a gagné. Donc bah zut, tant pis, c'est le jeu ma pauvre Lucette, on va devoir donc se relever d'ici là. Espérons que quand même on perde pas les deux matchs, hein, ça serait quand même con. Donc et bah, à tout de suite justement pour ce deuxième match de Ligue des Champions face à Tottenham. Et me revoilà donc pour le deuxième match, celui face à Tottenham. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Il y a eu des matchs de championnat, bien sûr que oui. Et donc, on commence par un 1-0. Waouh, que c'était... Bref, 1-0 donc face à l'Union Berlin, on finit à 10. Ouais, voilà. Puis, ben, match nul face à Hoffenheim. Un partout, Bobby Wood et... Sergi Adémian de l'autre côté. Voilà.
Ouais, bonf, bref, du coup, non, c'est pas ça. Donc, c'est ici, voilà. Donc, bah, deuxième journée de Ligue des Champions après la blague face à Porto. Nous voilà à Tottenham, donc dans le Tottenham Hotspur Stadium. Espérer quoi de ce match? Bah, essayer d'en prendre le moins possible. Mais jouer un peu au foot, enfin, si le jeu veut bien. Je regarde vite fait la caméra parce que le placement, ouais, c'est un peu cassé la binette. Voilà, merci. Bref, du coup, ben, on va essayer de se donner à fond, hein. Voilà la compo du match. Lazaro est revenu. Toujours Fernandez dans les buts puisque Pollersbeck revient à peine et il n'est pas assez en forme pour être titulaire. On a récupéré Kennedy. Il a fallu faire des choix sur le banc de touche. Compliqué. Wanyama, ouais, peut-être qu'on emmène quand même un latéral au cas où, on sait jamais. À la place de qui, je sais pas. Il va falloir laisser quelqu'un sur le banc de touche. Je sais pas, ben. Tant pis. Ouais, non, le tant pis, c'est pas une bonne idée. Voilà, tant pis, ouais, tant pis de ça plutôt. Voilà, donc allez, hop, on y va. C'est le petit dernier changement que j'avais peut-être pas prévu. Bon. Allez, on est parti donc face à Tottenham. 4-2-3-1 pour nos amis Rosbif avec Jota devant. Qui remplace Harry Kane. On a donc Chiesa, Ali, Lucas, Guimaraes, Ndombele, pas mal, milieu de terrain, Cessegnon, Felipe, Foyt et Hakimi. Et dans les bois, Captain Hugo. Ok, here we go. On va pas demander une victoire. On n'a rien à perdre dans ce match. Voilà, bon. Ça pas eu grand effet, on va aller essayer de les motiver, assurer, je crois en vous. Ouais, bon, allez. Allez, bah écoutez, au petit bonheur à la chance. Allons-y, hein, let's go. Oh, j'y attends pas grand-chose, hein. Voilà, le match déjà commence très bien, 4 tirs à 0, voilà. Ah, 2. Oh, on a essayé de tirer, c'est déjà pas mal, c'est pas mal. 3. Ouh, attention. Ouais. Un match d'un spectacle phénoménal. Je suis d'accord. Ah, ça y est. Attention, Foyt qui a le ballon. Ouais, avec son camarade Hakimi, Guimaraes. Ouais, bon ballon ça. Attention, Kéza. Kéza, pour angle fermé quand même. Hein. Voilà, merci. Normal. Allez, le coup de pied de coin de Kéza. Plein milieu, mais c'est repoussé. Lucas, attention, c'est pas fini. Pas fini. Bien, très bien. Ouais. Il n'y a rien du tout, mais c'est pas grave. Allez, vas-y, continue ta connerie. Que va décider l'arbitre? Ouais, ça va, allez. Casse pas les couilles. Attention, on a ce coup de pied. Oh, po, 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 on s'en sort de justesse. On s'en sort tout juste. Diego Jota, attention, le centre loupé. Guimaraes. Ouais, mais il arrive quand même. Oui, très bien. Bravo, continue comme ça. Lozaro, lol. Encore. Ça va. On s'en sort. On s'en sort tout juste. Ah, on est largement bouffé, mais là c'est normal. C'est légèrement une équipe qui est 100 fois plus puissante que la nôtre. C'est normal. Là je suis d'accord. Bah ouais, je peux pas les engueuler, ni rien du tout. Niveau consigne, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On fait 0-0. Franchement, y a, pour l'instant, il n'y a rien à toucher. Ouais, ça, non, ça oui, il faut le garder. Ouais, jouer le hors-jeu, je suis pas. Je suis pas sûr, non, on va enlever ça. Ouais, mais pour l'instant, jouer le hors-jeu nous permet de rester à un 0-0. Je pense qu'on va enlever ça et faire quelque chose de plus dur si d'aventure, malheureusement, on prenait un but. Alors, on va garder ça de côté. Pour l'instant, on touche à rien, comme on dit. Ouais, on touche à rien, une équipe qui gagne. Ouais, ça y est, il fallait le temps que je retrouve l'expression, lol. Bon, allez. Deuxième mi-temps, coup franc. Oh, bien joué. Plein gants, plein dans les gants pour Fernandez. Allez, tranquille, voilà, un dégagement au pied. Ouais, t'aurais quand même pu faire un effort. C'est n'importe quoi là, attention. Ah, mais là, d'accord, très bien. On va pas se plaindre. Ouais. Peut-être faire un changement de joueur plutôt. Alors, dans ceux qui font de la merde, Jairo, problème c'est que j'ai pas emmené. Et oui, j'ai pas emmené Ameshi. Plutôt, bah, Kittel, oui. Kittel, tu vas sortir. Kennedy. Allez, l'entrée de Kennedy, le Brésilien. Est-ce qu'il va peut-être pouvoir aider un petit peu? Bobby. Ouais, on va pas prendre de risque. Bobby aussi. Allez, Bobby, tu sors. Felipe.
Allez, ça sera après tout ça. D'accord. Ouais, il faut un. Ouais, très bien. Très bien. Ouais, non, mais il faut un. Ah, c'est pas le jouer le hors-jeu, c'est. Je sais pas, j'ai pas compris. C'est le pressing, je pense. On va revoir le ralenti. Là, j'ai pas compris. Il fait carrément une passe. Bon, à la rigueur. L'autre, il tacle. Très bien. Dégage! Pan! Non! Non, non! J'ai une consigne, garder le ballon dans les pieds. Ah oui, bah oui, il faut. Bah oui, j'ai rien fait. Ah, oui, c'est peut-être pour le changement de Bobby Wood, bref. Je sais pas, est-ce qu'il y a une. Sans le ballon? Non, bah avec. Garder le ballon dans les pieds quand t'es en défense? Non, on c'est plus. Non, je sais pas. Il y a une consigne qui. Oui? Non, je sais pas. Non? Bah alors qu'est-ce que tu foutais, espèce d'abruti? Bon. On a pris un but, hein, donc malheureusement. Va falloir faire un marquage plus serré. Enlever le hors-jeu, ça sert à rien. C'est une erreur technique. Je vais pas redescendre ma ligne défensive, puisque de toute manière c'est une erreur technique. Donc voilà. On va essayer ça, peut-être que ça peut aider. Mais je suis pas sûr. Non, c'est pire que mieux. Ça sert à rien. Bon, alors tant pis, on abandonne l'offensif. On va être un petit peu plus, un peu moins véhément. Et puis bon, on va totalement jouer le contre. Hein, ça suffit. Hein, on va jouer les petites salopes. Hein, et puis c'est tout. Hein, merde, contre. Et, bah, déjà, c'est déjà le cas. Hein, le pire, c'est ça qui est drôle, c'est que déjà dans la tactique de base, je sais très bien qu'il y a déjà contré. Poupoum, mais bon. On va arrêter de jouer. Relancer vers les défenseurs. On balance. Hein, attends, non, plutôt ouais, sur les flancs. Avec le ballon, bah oui. Ça, ouais, non, bah non, on peut pas y arriver de toute manière. Obtenir des coups de pied arrêtés. On va faire les salopes, hein, et puis c'est tout. Hein, plus direct encore. On va tenter ça. Hein, malheureusement, j'ai pas grand-chose à faire. Se regrouper, non. On va redescendre la ligne, on va redescendre l'autre con, et puis voilà. Hein, on va devoir jouer l'épicier parce que. On prend déjà 2-0, malheureusement, on n'a pas le choix. On est trop nul face à Tottenham. Là, c'est logique de se prendre une défaite ou machin chouette. Là, c'est normal. Mais normalement, on ne doit pas être à 1 point, on doit être à 3. Voilà. On aurait dû battre Porto, mais bon, le jeu en a décidé autrement. Le conseil a voté. La sentence était irrévocable, c'était un point et pas trois. C'est comme ça. Bon, ça a l'air de calmer les choses. Ouais, les changements faits ont l'air de calmer. Bon, bah on perdra que 2-0, c'est déjà pas mal. Ah, attendez, peut-être. Peut-être le troisième. Ou alors un miracle. Mais j'y coup. Enfin, peut-être un coup de bol, non. Non, Chiesa qui est tout seul. D'accord. Merci pour la passe. C'était sympa. C'était gentil. Troisième changement, c'est vrai que j'aurais pu en faire un. Non, Gagliardini, du coup. Hein, Touk. Allez. Bon, bah voilà. Défaite de 0, logique. Pour le coup, là, il n'y a rien à dire. Mais au moins, on a évité de prendre le bouillon. Les changements tactiques ont fait en sorte que j'ai évité de prendre le bouillon. Non, désolé. Je sais bien, mais je. Non. Je félicite pas des joueurs qui perdent. Désolé. C'est pas dans ma nature. Désolé. Je dis pas bravo, on a perdu. C'était génial. Non. Non, c'est les gens dans le vestiaire, je fais bravo les nuls, allez, on se retrouve demain à l'entraînement, bonne soirée. Voilà, moi c'est comme ça, c'est tapage, c'est pas. Ah, félicitations, on a pris que 2-0. Ça, je le garde pour moi, ça. Ça, je le garde que pour moi. Bon, on a perdu que 2-0, dans la réalité, c'est déjà ça, c'est mieux que de prendre une grosse fessée. On limite la casse. Alors, on limite la casse. Ces changements tactiques ont fait que ça a stoppé le jeu, ça l'a calmé. Ça nous a pas permis de marquer, malheureusement on n'avait pas la qualité pour marquer des buts face à Tottenham. Ça, il n'y a pas d'histoire. Bon bah on se retrouve donc pour le troisième et dernier match qui est techniquement si je dis pas, bah, l'Ajax. Face à l'Ajax, espérons que là on essaiera de choper quand même les 3 points. Allez, à tout de suite. Et me revoilà donc pour le troisième et dernier match, bien évidemment, de cet épisode face à l'Ajax à la maison. Bon.
Eh ben, voilà, quand même, troisième et dernier match de l'épisode, troisième journée de Ligue des Champions. Est-ce qu'on va réussir enfin à gagner une victoire? On va le savoir. Porto qui va affronter donc Tottenham. Qu'est-ce qui s'est passé entre deux? Eh bien, ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas, on a amorcé peut-être une bonne dynamique. Enfin, il serait temps. 2-1 face à Mayence, but de Mora. J'ai décidé de sanctionner Bobby. Donc Felipe Mora remplace Bobby Wood. But et Cuenca, bien évidemment, pour une petite réponse de Ivan Husek. Un petit match amical face à Charleroi 2-0. Puis on revient au championnat. 3-0 face à Stuttgart, grâce à Felipe Mora, Lebold et Alenia sur penalty. Ça fait du bien, ça fait une bonne petite dynamique. Petit point classement vite fait. On repasse donc quatrième derrière le Borussia, l'Hertha Berlin et Leipzig. Du coup, bon bah, on en revient au match de Ligue des Champions. Donc, compo pour le match avec Paul Orsbeck, bien évidemment, dans ses bois. La défense n'a pas changé. Le milieu de terrain non plus. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Voilà, sauf Felipe Mora qui prend la place de Bobby Wood qui est sanctionné. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est un peu la première petite sanction, on va dire, qui a fait réagir l'équipe pour l'instant. Donc, continuons ainsi. C'est parti. Face à l'Ajax. Allons-y. À la maison. Est-ce qu'on. On peut remporter notre premier match. Normalement, l'Ajax, ça on peut gagner. Normalement, l'Ajax, c'est à notre portée. Maintenant, attention, c'est pas une équipe d'enfants. Donc, un 5-3. Ouais, un 5-2-1-2. Mais bon, je dirais plutôt donc 3 défenseurs. Un 3, 3, 4, 1, 2. Attention, donc avec cette défense à 3, connaît pas Rensch. Daleblind, bien évidemment. Ça, oui, Arroyo, oui. Ouais, connaît pas. Tagliafico, bien sûr. Gravenberch, ça me dit vaguement quelque chose. Kenneth Taylor, connaît pas. Hakim Ziyech, bien évidemment. Devant, nous aurons donc Hansen et Tadic. Moi, ouais, je connais Tadic, ouais, ça oui. Et le gardien non plus. Très bien, ok. Donc attention à cette équipe où on n'en connaît pas beaucoup. Attention à la surprise, bien évidemment. Assuré, je crois, en vous, comme d'habitude. Voilà. Allez, cette fois-ci. Allez, on y croit. Bon, ils ont quand même gagné deux matchs. Hein. Non, attends, 5 points. Non, non, bah non, 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 ils ont gagné qu'un match. 3 points, ouais, ils ont fait une victoire et un match nul. On va y arriver. Ouais. C'est. Voilà, l'émotion. Allez, on se calme, tout va bien. Allez. Pour l'instant, on a le ballon. Allez. Attention, c'est pas mal ça. Kittel, pourquoi pas. Voilà, bien joué. Très bien. Les Bold, attention, perd pas le ballon. Perd pas le ballon, il l'a toujours. Les Bold, non. Attention, peut-être une erreur sur ce dégagement. Non, toujours pas. Allez, profite, on gagne. Bien. Allez, on repart dans l'autre sens. Les Bold, toujours les Kittel. Sonny Kittel, Sonny. Le bon sens de Sonny. Mora, dommage, c'était bien tenté cette tête. Pourquoi pas. Allez. La touche, on repart donc avec Felipe Mora. Qu'est-ce que tu fous là? Cuenca, attention, pas mal ça. Bien joué, très bien joué. Kittel, le centre. Oh là, ouh, la boulette du gardien. Attention, ce coup de pied de coin de Jairo. Bien tapé, deuxième poteau presque. C'est pas fini. Allez, boum! Ah, dommage, c'est dégagé. Attention, petite faute. Sans conséquence, sans conséquence, tout va bien. Ok. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. On va leur demander un peu plus de caractère. Allez. C'est pas mal, mais faudrait essayer quand même de marquer avant la mi-temps. Ça serait pas mal du tout. Attention, Lazaro qui paraît un peu nerveux pour l'instant. Allez, sur cette action, on y croit. Allez, on va marquer. Lazaro. Lazaro, on va la percer. Pourquoi pas Jairo, bon centre. Kittel, oh c'était très bien donné! Pour le golasso de Cataldi! Grazie mille, Cataldi! Le but! Magnifique, enfin, ça fait du bien à Lazaro, pardon, Jairo, super centre. La remise de Kittel, sans contrôle, demi-volée pour Cataldi. Bravo! Oh, c'est une demi, c'est pas la vraie reprise de volée. Bravo, Cataldi, 1-0, enfin, c'est mérité! Voilà, c'est bien ça. Allez, continuons ainsi. Attention tout de même, Ziyech et ses camarades. Bien, Cataldi, il en forme l'Italien.
Bon, ballon, ça. Allez, Jairo, tout seul, boum! Ah, c'était un peu mou quand même, hein. Le gardien, c'était du gâteau pour lui. Allez, on rentre au vestiaire avec un 1-0 bien mérité. Maintenant, la chose importante à faire, et vous avez compris, c'est de mettre le deuxième but. Et oui, ça, il va falloir le mettre, ce 2-0. Les Bold. Bon, ballon, ça. Un peu bizarre quand même, mais c'était bien à la base. On récupère. Kittel, allez, bien ça au milieu. Carles. Ouais, c'est pas fini. Lozaro tout seul. Dommage, c'est repoussé par le gardien. C'est bien tenté. Fallait essayer. Allez, c'est pour Jairo. Bien botté. Deuxième poteau, la remise. Oh, c'est pas fini, dommage. Qu'est-ce qui se passe? Faute? Hors-jeu? Hors-jeu. Ah. Allez, coup de pied de coin. C'est pas fini. Allez, Nia. Boum! Et le doublé! Golasso! Le but de Cataldi! 2-0, le doublé pour l'Italien, le milieu de terrain qui se croit et se prend pour un buteur! Ah, ça c'est bien joué, mal dégagé, Alenia va en profiter. Un bon ballon pour Cataldi qui se retourne et le but. Super! Le 2-0, magnifique! Enfin! 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 Bordel! Allez, on continue. Attention quand même, Ziyech. Attention, Tadic. La réponse des Néerlandais. Oh, pop, 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 pop. Heureusement qu'il y avait hors-jeu. On va les secouer un peu là. Réveillez-vous. Attention, le match n'est pas fini. C'est pas parce que nous le dominons que c'est gagné. Allez. On connaît le jeu, hein, bien évidemment. Allez, Kittel, t'as fait un bon match. À faire entrer Kennedy, le Brésilien. Vas-y, un gamin. À faire entrer aussi. Est-ce que je l'ai pris cette fois? Non, je l'ai pas pris, malheureusement. Dommage. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va pas toucher au milieu de terrain. Ils sont dans une forme olympique, même s'ils sont un peu fatigués. Philippe Moura. Il a fait un match intéressant. On va faire entrer Bobby. Voilà, on va faire entrer Bobby. Est-ce qu'il a compris sa punition? Est-ce qu'il l'a comprise? Nous allons le savoir. Attention. Yeah! Bien, Pollersbeck. C'est bien. Il rassure. Allez. Jairo, vas-y. Vas-y, Jairo. Oh, ouais. Attention, c'est pas fini. Allez, ils arrivent pas à se dégager. Allez, pressing. Encore. Allez, qui se chie dessus? Il s'est chié dessus. Voilà! La coulante dans la culotte. Bien fait. Pardon, c'est pas bien. Il faut pas, le karma, attention. Je retire. Bobby, bravo. Ben voilà, la punition a été retenue. Bon, c'est un gros coup de bol, je sais. Première frappe, c'est sur le poteau. Mais il se reprend. Il abandonne pas. Il se reprend. Bien. 3-0. Yes. La victoire in the pocket. Allez, cette fois, on peut faire sortir un des milieux de terrain qui a fait un match... titanesque, on va faire entrer pas non, hein, Cagliardini, il est en manque de temps de jeu, il a besoin. Ouf, et ben voilà, une belle victoire pour clôturer cet épisode. Enfin, c'est pas compliqué, hein. Oh, voilà. Enfin, quand même, la finition, fou, ça a été compliqué. 3 buts sur 8 frappes cadrées. Ouais. Ouais, on sent pas la différence. Bref, 3-0, belle victoire. Voilà, le doublé de Cataldi qui fait du bien et le petit but de Bobby. Alors, est-ce que c'est suffisant pour Bobby de récupérer sa place? Je sais pas. Là, voilà, là, je vais devoir y réfléchir parce qu'il a été puni. Mais il a répondu à sa punition quand je l'ai fait avec les autres fois, rentrer de nouveau. Là, cette fois, il a marqué. Il a marqué un but, mais... Je pense que je vais revenir sur les précédents matchs que j'ai fait pour juger un petit peu, mais je sais pas, vaguement, bon, par exemple contre Stuttgart, il a pas joué, par exemple là, contre Mayence, je sais plus, parce que j'ai fait ça tout à l'heure, j'ai fait plein de choses entre deux, non, il est pas rentré, donc voilà, on va dire que c'est le seul match où j'ai pensé à le faire rentrer, et il a marqué son petit but. Voilà, est-ce qu'on peut lui redonner sa place? À vous de jouer un petit peu aussi, peut-être dans les commentaires pour vous faire participer un peu. Vous en pensez, est-ce que je dois remettre Bobby? Ou est-ce que Felipe, lui qui a marqué un peu plus de buts, mérite de garder sa place, qu'il l'a gagné en lui donnant sa chance pour punir Bobby?
Est-ce qu'on doit continuer de punir Bobby? Là, je l'ai fait rentrer cette fois, j'ai fait penser à le faire rentrer. Donc, il a marqué. Maintenant, bah, il faudra savoir pour la suite. Bref, ça, c'est le secondaire. On s'est bien rattrapé, on est sur une belle dynamique en comptant le match amical, 4 victoires sans le match amical 3. Ça fait du bien, on repart sur une bonne dynamique, espérons qu'elle continue le plus longtemps possible. Ça, c'est très bien. Donc, la prochaine fois, qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, la prochaine fois, on va avancer. Tant pis pour Leipzig, malgré qu'il soit le leader. On va avancer, il faut avancer un petit peu. Donc, on avancera. La prochaine fois, on fera donc l'Ajax, Porto et Borussia Dortmund. Voilà, un petit peu de championnat avec le Borussia quand même. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Bah écoutez, j'espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, moi, c'était assez difficile par moment, mais la fin d'épisode fait du bien au moral. Voilà, c'est cool. Du coup, ben, commentaire, comme d'habitude, si vous avez envie. Pouce bleu, ça fait toujours plaisir, bien évidemment. Tout est dans la description, Discord et tout ça. Je vous souhaite une excellente journée. D'ici là, portez-vous bien. Auf Wiedersehen, mein petit Kinder. Et surtout, portez-vous bien. À la prochaine. Salut tout le monde!